Bienvenue, on attend encore quelques instants que tous les pré inscrits et préinscrites nous rejoignent. Merci pour votre fidélité pour ce dernier webinaire de l'année civile. Voilà nous en sommes au 34e. on aime compter ces webinaires puisque nous avons commencé au moment du confinement voilà. Dites-nous d'où vous venez, voilà, dans l'espace discussion. Et euh, nous allons bientôt commencer donc euh, ce, ce, cette rencontre sur euh, EMDR avec les enfants, intérêts, limites et spécificités. Et donc je vais prendre l'écran pour quelques instants avant de le confier à nos deux invités. Alors, comme d'habitude, mais on le dit parce que vous êtes parfois nouveau, c'est la première fois que vous nous rejoignez. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous aurez un accès au replay demain matin. Et le support, euh, le PDF du support PowerPoint de nos invités sera également disponible en ligne, toujours sur appea.org. Donc, avec un rappel, Appea, c'est une association professionnelle. Qui développe notamment des formations, des rencontres. Les webinaires gratuits en font partie, mais nous avons aussi des grands webinaires de trois heures qui la nécessitent une inscription payante. Et nous avons à peu près une quarantaine de formations, en général sur un format de deux jours, que ce soit en présentiel ou en distanciel, sur les grandes thématiques de l'enfance du côté de l'évaluation, des prises en charge et des problématiques psychopathologiques. Voilà, donc vos remarques, vos commentaires, vous avez déjà commencé, merci à vous, euh, vos questions dans le volet discussion. Et merci à Théodore et à Katia euh, pour ce soir d'être présents. Merci à Vincent qui s'occupe de toute la logistique euh, qui nous organise euh, l'ouverture de cette session Zoom. Merci aussi à Renaud pour nous avoir trouvé la musique du générique et puis à Vincent pour y avoir associé les images. Donc, en deuxième partie, Théodore et Katia interviendront pour faire la synthèse et la présenter aux conférenciers, la synthèse de vos questions. Voilà, n'oubliez pas, si vous voulez être lu par toutes les personnes connectées, cochez bien dans l'onglet discussion, envoie à tout le monde sinon, vous n'en verrez qu'aux conférenciers. Voilà, merci donc à nos deux conférenciers à qui je vais laisser maintenant la main. Il s'agit de Pascal Tarquigno, donc ici présente. Merci, vous nous faites tous deux, Pascal et Cyril, un beau cadeau de fin d'année, puisque vous êtes les spécialistes de l'EMDR, vous êtes reconnus en tout cas en tant que tel en France. Vous œuvrez tous deux dans l'Est de la France, notamment à l'Université de Lorraine. Alors Pascal, vous êtes psychologue psychothérapeute, vous êtes EMDR accrédité Europe, également superviseur adulte et superviseur. Enfants accrédité Europe. Vous êtes chargé de cours en master à l'université de Lorraine. C'est le site de Metz, hein, Lorraine, avec euh, bien entendu euh, l'université de Lorraine avec Nancy. Et vous êtes également intervenant au centre Pierre Janet de l'université de Lorraine. Et puis euh, Cyril Tarquigno, professeur de psychologie, directeur de ce centre Pierre Janet dont on parlera sans doute tout à l'heure à l'université de Lorraine. Vous êtes directeur. De l'équipe MSAM APMAC. Alors, APMAC, c'est Adaptation, Mesure et Évaluation en Santé. C'est une UR euh, euh, en approche interdisciplinaire à l'université. Et EPSAM, c'est particulièrement à Metz, puisque c'est Adaptation, Comportement de Santé et Prise en charge psychologique. Voilà, donc vous êtes le responsable. Et puis, vous êtes éditeur en chef de l'European Journal of Trauma and Dissociation. Voilà, merci à tous deux. Je pense que Cyril, vous allez prendre la main sur le webinaire. Et puis, on se retrouve après votre intervention pour les questions. Donc, vous avez à peu près 40 minutes. Voilà, merci infiniment à tous deux. Alors, euh... okay. <laughs> Voilà, je pense que c'est bon. Oui, bien. Merci. Euh, merci. Merci de nous accueillir pour cette, cette présentation, cette intervention qui euh, nous donne, euh, à moi et Pascal, l'occasion de vous parler de cette thérapie, je dirais pour le moins étrange, qu'est la thérapie EMDR, qui est pleine d'intérêt, on va le voir, sans doute euh, de limites également. Et donc, nous avons fait le choix de partager en deux cette présentation. Je vais, moi qui ne suis pas spécialiste des enfants, mais qui ai quelques connaissances sur la thérapie EMDR, vous parler de la spécificité de cette thérapie EMDR. Et ensuite, Pascal vous parlera de son champ de spécialité, qui est celui justement de la prise en charge des enfants. Alors. Le MDR, en quelques mots, évidemment, ça mériterait en tant que tel une discussion bien plus longue que celle qui nous est donnée, mais en quelques minutes, on peut quand même essayer de spécifier cette thérapie. Cette thérapie, elle fut découverte un petit peu par hasard, en tout cas, on aime bien raconter cette histoire, puisque... On aime bien les histoires et les belles histoires. En 87, euh, Francine Chapiro euh, raconte qu'elle était alors qu'elle préparait sa thèse dans un parc et que, euh, habitée par euh, des préoccupations anxieuses liées à sa, à sa vie, euh, elle se mit euh, à bouger les yeux de droite à gauche et elle s'est rendue compte à ce moment-là que euh, quelque chose se passait. Dans euh, la perception qu'elle avait de ses préoccupations, euh, elle observa une diminution de euh, la charge émotionnelle négative, de la charge anxieuse. Alors, euh, ça paraît étonnant, euh, mais au fond, on, on peut s'en rendre compte, et euh, nous avons dans la littérature des choses très étonnantes à cet égard qui concernent ces mouvements d'yeux. Euh, nous avons par exemple une étude qui a été publiée il y a quelques années qui montre euh, des souris euh, qu'on conditionne à être tétanisées par un son, puisque souvent ce son qui arrive est suivi d'une décharge électrique. Donc les, sou les souris sont conditionnées à s'arrêter, c'est ce qu'on appelle les comportements de freezing. Lorsque ces souris euh, entendent le son qui arrive dans leur cage, elles arrêtent de bouger. Mais si, comme la, la, la cage est, est ronde, si on leur présente à chaque fois où elles sont positionnées dans la cage, devant leurs yeux. Et on peut le faire puisque la cage est circulaire. Donc il suffit de positionner le mouvement d'une LED qui, se, qui bouge de droite à gauche et qui s'impose à leur vision. Eh bien, on se rend compte au fil du temps que cette peur, ce conditionnant, conditionnement négatif, eh bien, va s'estomper. C'est-à-dire que le fait de produire ces mouvements oculaires, de l'induire chez ces souris, les conduit à diminuer leur peur et on observe deux types de situations. Les souris à qui on a proposé cette stimulation complémentaire qui active ces mouvements oculaires et de l'autre des souris à qui on ne propose pas ces stimulations oculaires. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe du point de vue du comportement Les souris à qui on n'a pas observé, à qui on n'a pas proposé cette stimulation restent tétanisées. A l'inverse, les souris à qui on a imposé cette stimulation visuelle de droite à gauche, eh bien, malgré le son qui les a préalablement conditionnées, continuent à bouger dans la cage. En d'autres termes, ce mécanisme eh bien, a quelque chose de très étonnant puisqu'il conduit réellement à un processus de désensibilisation psycho-émotionnelle. Et vous savez, sauf nouveauté, sauf découverte récente, eh l'effet placebo ne marche pas chez les souris. Euh, donc, la découverte de Shapiro, parce qu'il faut nommer euh, les choses, c'est une découverte, euh, a, a, a véritablement fait évoluer notre discipline et a montré euh, que ben, ces doubles stimulations, d'ailleurs, aujourd'hui, on ne devrait même plus appeler la thérapie EMDR on va le voir, euh, cette double stimulation, en tout cas, cette stimulation des yeux, eh bien, avait pour effet de réduire la charge émotionnelle et de diminuer significativement le niveau d'anxiété. Je disais tout à l'heure euh, EMDR, High movement desensitization and reprocessing, mouvement des yeux qui conduit à un processus de désensibilisation et à un retraitement de l'information. J'évoquais le fait que euh, Aujourd'hui, ça ne devrait plus s'appeler EMDR, puisque nous n'utilisons plus seulement les mouvements oculaires, mais aussi les stimulations tactiles, droite-gauche, sur les cuisses ou sur les, euh, les, les épaules, mais aussi les sons, droite-gauche, euh, qui euh, existent et qui montrent dans la littérature eh bien, des effets comparables à ce qui était à l'origine la stimulation droite-gauche avec les mouvements oculaires. Et actuellement, d'ailleurs, euh, les euh, travaux, j'y reviendrai tout à l'heure, les recherches se focalisent essentiellement sur la compréhension des mécanismes qui sont mobilisés. Alors, qu'est-ce qu'on observe lorsque l'on soumet à partir d'un protocole euh, très compliqué, finalement Parce que, évidemment, euh, la psychothérapie EMDR, c'est souvent l'erreur euh, que l'on fait. Que font les thérapeutes euh, qui, qui ne veulent, qui ne souhaitent pas s'intéresser à, à, à la dite thérapie, ou que, font, que fait le grand public, c'est de considérer que il suffit de bouger ses yeux pour régler le problème. Non, la thérapie EMDR, c'est tout un ensemble de protocoles, euh, et en particulier ce qu'on appelle le protocole standard, qui, je dirais, est le protocole de base, à partir duquel, euh, au fond, la reconnaissance est arrivée. Euh, et ce protocole a montré que euh, lorsque l'on soumettait euh, des patients à ce protocole lorsque on l'on traitait euh, des épisodes traumatiques auxquels les personnes avaient été confrontées on arrivait à une diminution de la charge émotionnelle à une restructuration de la mémoire c'est-à-dire que c'est comme si l'événement traumatique était remis dans la machine à traiter de la formation et comme si euh, on portait un regard nouveau sur les épisodes traumatiques auxquels on avait été confronté. Et au fond, on connaît bien ce mécanisme. Nous avons tous été confrontés à un deuil et on voit bien que sans passer par la case psychothérapeute, avec le temps, mais le temps n'y est pour rien, euh, on porte un regard très différent sur l'événement qui, des années, des, des années ou des mois euh, auparavant, euh, nous bouleversait totalement. C'est-à-dire que la personne qui nous a quittés est toujours décédé. Et on voit bien que quelque chose s'est passé dans notre cerveau qui a restructuré le rapport à l'événement. Eh bien, c'est ce qu'on observe de façon accélérée. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, euh, la thérapie EMDR est reconnue par l'OMS, reconnue par l'HAS comme une thérapie de choix dans la prise en charge du TSPT. C'est très important ce que je dis. Aujourd'hui, la thérapie EMDR est reconnue. Comme une thérapie de choix dans la prise en charge du trouble de stress post-traumatique. Euh, on verra que euh, beaucoup de chemin reste à faire. C'est une thérapie qui s'inscrit dans une démarche, et c'est sans doute ça qui est intéressant, mais aussi déstabilisant, nous qui avons appris à nous inscrire dans une école de pensée, dans une vision que je considère et catégorise de tubulaire. Vous voyez, euh, on pense les choses à partir des TCC, on pense les choses à partir de la psychanalyse, comme si c'était notre manière de voir le monde. Euh, Peut-être que cette thérapie EMDR, d'un point de vue épistémologique, euh, nous a apporté au moins cela, c'est-à-dire une vie, une, 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 une conception intégrative de la psychothérapie qui, part de l'idée que d'une certaine manière il est temps d'ouvrir notre perspective et que peut-être l'exercice de notre métier d'ailleurs va bah bien au-delà de notre discipline quand on voit que l'alimentation a des effets sur notre état émotionnel que l'activité physique a des effets sur l'état émotionnel je veux dire on, il est temps que notre discipline effectivement s'ouvre et euh, sorte de, de ces postures qui sont souvent malheureusement plus idéologiques que théoriques. En tout cas, euh, la, le MDR euh, tient euh, de l'hypnose pour une part, les gens qui viennent de l'hypnose s'y retrouvent, de la psychodynamique, il y a un processus associatif dans lequel les gens qui sont d'obéissance analytique Largement s'y trouver. Il y a de la thérapie de l'exposition, mais ce n'est pas que de la thérapie de l'exposition. Il y a effectivement une, un ancrage sur les thérapies cognitivo-comportementales, mais pour autant, cette thérapie a une véritable identité qui, depuis 20 ans, s'est affirmée. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons énormément d'études contrôlées randomisées. Nous en faisons ici, dans le laboratoire que je dirige. Nous avons actuellement un gros protocole de recherche sur euh, la, la prise en charge EMDR de patientes avec un, un cancer du sein, où on compare deux groupes euh, euh, spécifiques. Euh, donc, on, on sait faire des études contrôlées randomisées. Aujourd'hui, les études contrôlées randomisées montrent que, OK, la thérapie EMDR, elle est efficace. Mais l'enjeu n'est plus là. Sauf pour ceux euh, qui ont envie de chercher des poux dans la tête. Euh, la question, c'est mais quels sont donc les mécanismes et les processus qui sont activés derrière cette thérapie Voilà l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, il est beaucoup plus théorique et épistémologique. Il est plus temps de refaire la énième euh, thérapie euh, étude contrôlée randomisée qui montrera que effectivement on est bon dans la prise en charge du, du TSPT. Aujourd'hui, il convient, on va en parler tout à l'heure d'élargir le champ des psychopathologies dans lequel la thérapie EMDR peut montrer sa pertinence et son efficacité. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de travailler sur l'efficience de la thérapie EMDR, c'est-à-dire que la différence entre efficacité et efficience, l'efficacité c'est ce qui se passe dans les études contrôlées randomisées. on contrôle tout. mais moi, dans ma pratique clinique, je m'adapte à mes patients. Euh, je m'adapte à la complexité de mes patients. et ce qu'on appelle les études en situation réelle, euh, elles sont encore à mener euh, parce que euh, les études contrôlées randomisées ont comme principe le respect strict des protocoles. dans la vraie vie, je tords les protocoles qui sont les miens pour les ajuster à la la complexité de mes patients, et ça aussi, c'est un enjeu de la recherche. Donc, oui, la thérapie EMDR dans les études contrôlées randomisées, mais dans la pratique clinique aussi, est un outil extrêmement efficace dans la prise en charge du TSPT, sauf que vous comme moi, nous avons très peu de TSPT. Je veux dire, nous avons des situations beaucoup plus compliquées, j'en dirai un mot tout à l'heure. La grande difficulté de la thérapie EMDR, mais son grand intérêt pour un chercheur comme moi, euh, euh, c'est pas tant de, de, de montrer que c'est efficace et que ça marche, c'est de comprendre pourquoi ça marche et de faire le parallèle avec les autres psychothérapies. C'est ça l'enjeu. Euh, vous savez, euh, les TCC montrent que elles sont efficaces dans la prise en charge du thé, du TSPT, l'hypnose aussi. On a des travaux sur la psychanalyse aussi, la pleine conscience aussi. Le MDR aussi. Ah, mais ça nous met en grande difficulté. C'est-à-dire existe t il autant de principes actifs qu'il existe de psychothérapie Mais ça n'a aucun sens. Quelles sont les, 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 les psychothérapies que je viens de citer sont des interfaçages qui agissent toutes sur un même dispositif cérébral, psychologique qu'il convient d'identifier parce que le principe de guérison est unique. En travaillant sur la thérapie EMDR, on travaille sur les psychothérapies. Et c'est ça qui motive aujourd'hui les chercheurs dans ce domaine, mais les chercheurs aussi dans le champ des TCC, etc. Et en tout cas, c'est la motivation des chercheurs de mon équipe. Et une des difficultés de la thérapie EMDR, ne l'oublions pas, elle n'est pas née en psychologie, elle est née en neurosciences. Elle manque d'élaboration théorique. Il n'y a pas de véritable théorie du sujet, il n'y a pas de véritable théorie des processus psychothérapeutique, en psychanalyse on a une théorie du sujet, on a de la métapsychologie on a une théorie du, principe, du processus thérapeutique, l'association libre le transfert, en thérapie EMDR, eh bien, il y a quelque chose qui, est, qui nous, nous est tombé dessus ça fonctionne et on re a posteriori, même si il y a ce qu'on appelle le modèle taille qui est l'idée selon laquelle, d'une certaine manière, il y a une capacité euh, d'auto-réparation naturelle euh, qui existe euh, à l'intérieur de chacun de nous. Je prenais l'exemple du deuil. Quelque chose s'est auto-réparé sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Et l'idée est que peut-être cette thérapie EMDR eh bien, peut contribuer à potentialiser cette capacité de réparation naturellement présente. Mais évidemment... Pour le chercheur que je suis, c'est insuffisant, d'où les enjeux théoriques, épistémologiques et cliniques qui sont ceux de euh, la question de, 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 du développement de la recherche dans, le, dans, la, dans la thérapie EMDR. C'est-à-dire que, au fond, euh, la question aujourd'hui, c'est l'étude des processus. Euh, c'est oh, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ces stimulations droite gauche avec les yeux Qu'est-ce qui se passe Et il se passe quelque chose lorsqu'on fait des stimulations avec des sons. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des stimulations avec des tapotements on a des théories, je n'ai pas le temps de les exposer. On a des résultats qui montrent que quelque chose se passe sur le plan cérébral. On a des évidences aujourd'hui qui se, qui se sont révélées grâce à la mobilisa mobilisation de ces différents niveaux de stimulation. L'exemple que je prenais de ma, de ma souris dans cette situation expérimentale qu'on appelle la Holton, où on, cette boîte de Skinner ronde montre que eh bien, ces stimulations agissent Concrètement, euh, dans euh, le, le fonctionnement même euh, du cerveau de la souris, les conduisant, je l'évoquais tout à l'heure, à euh, euh, changer son, leur comportement. Euh, L'enjeu euh, également euh, de la psychothérapie EMDR au aujourd'hui euh, est et évidemment de. De, comment dire, de, de, de saisir aussi toute la complexité du protocole parce que euh, la, 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 le, le ther, la thérapie EMDR c'est un ensemble de protocoles qui vise à identifier des émotions euh, une manière de penser qu'on appelle des cognitions des sensations corporelles ça c'est un autre intérêt de cette thérapie c'est qu'elle convoque les cognitions, les émotions et le corps ce que ne font pas toutes les thérapies, mais il y a tout un ensemble de protocoles et qui en font un système complexe. Et tout l'enjeu, c'est d'être en mesure de décomposer ce qui est efficient, euh, comment cette efficience s'articule avec les différentes phases du protocole, quelle est la plus value des stimulations et euh, quel, quelle typologie de stimulation il convient effectivement d'utiliser et pourquoi. Donc, vous voyez, des questions de recherche majeures, fondamentales, mais également des questions de recherche plus euh, pragmatiques. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure le fait que la thérapie EMDR a trouvé ses lettres de noblesse dans la prise en charge du TSPT. Je veux dire, le TSPT n'est qu'une caricature du psychologue. Ce n'est pas le psychotraumatisme. Il existe bien d'autres formes du psychotraumatisme. Le trauma complexe, c'est une autre histoire. Si, avec un, une, une prise en charge EMDR, j'arrive en 3-4 séances traiter un TSPT simple, un trauma complexe, on part sur 2-3 ans de psychothérapie. C'est une autre histoire. La prise en charge des troubles dissociatifs euh, et, et, et dans, dans la, la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, par exemple, c'est une autre histoire. Il y a tout un questionnement aujourd'hui sur l'ouverture de cette thérapie, mais de toutes les psychothérapies, soyons honnêtes, à la prise en charge de ces euh, pathologies, de ces, de, de ces expressions psychopathologiques, effectivement du trauma, effectivement qui n'ont rien de commun avec le TSPT tel qu'on le conçoit et qui reste un peu la figure de proue, je dirais, du champ du trauma. Quel est l'avenir également de la, de la thérapie EMDR Alors, celui de la santé, je, je, je suis un de ceux qui travaillent beaucoup dans le champ de la santé. Je fais le lien dans mes travaux entre l'histoire traumatique et les problématiques de santé et de maladies chroniques à l'âge adulte. C'est un vrai champ d'investigation qui va bien au-delà du TSPT. C'est également les situations d'urgence. Nous avons formé, euh, il, y a pas, il y a une semaine de ça, des Ukrainiens euh, à la, à la, à la, aux situations d'urgence avec des protocoles EMDR que nous avons développés. Et qui permettent d'agir de façon très efficace dans les heures qui suivent euh, auprès de victimes, c'est le développement des nouvelles technologies et la place de la thérapie EMDR dans les environnements virtuels. C'est un programme sur 10 ans, par exemple, que nous avons lancé euh, dans mon laboratoire et au centre Pierre-Janet, mais c'est également la prise en charge des personnes âgées, euh, qu'on a un peu tendance à, à, à occulter, à oublier. C'est également l'utilisation de cette thérapie dans des environnements culturels différents des nôtres. C'est un vrai enjeu euh, de, pour, pour les sociétés actuelles. On voit, on, on accueille des migrants et la question c'est comment est-ce qu'on on, on, on va s'adapter à ces dimensions euh, interculturelles et comment des dispositifs nés dans nos sociétés euh, avec les valeurs occidentales et eh bien sont ajustables, adaptables euh, à ces environnements culturels nouveaux et puis euh, et je vais faire la transition avec Pascal Tarquinio. C'est la population des enfants qui, par nature, est, renvoie à une complexité qui n'a rien de commun avec la prise en charge des adultes. Je dirais même euh, que c'est un autre métier et que, de ce point de vue, je, ça demande une vraie spécificité, une vraie connaissance de cette population que je maîtrise par exemple très peu ou très mal qui sont celles des enfants avec leur niveau de développement. Et de ce point de vue, euh, le champ de la prise en charge des enfants, des adolescents, qui s'inscrit dans une dimension plus systémique et celle de la famille, nécessite en soi un autre regard et une autre approche. Merci Cyril. Du coup, je, la transition est bien faite et effectivement, euh, voilà, comment ça se passe avec, euh, dans la, le MDR avec les enfants Peut-être je te laisse avancer la diapo. Okay. Donc, la thérapie EMDR avec les enfants, elle s'est développée euh, ben, dans, la, dans la mouvance de, de la thérapie EMDR adulte dans les années 90 sous l'impulsion de, de, de personnes qui sont connues dans le monde de l'EMDR comme Bob Ticker, Sandra Wilson, Joanne Maurice Smith et en France avec Michel Sylvestre. Et son efficacité euh, de la, dans la prise en charge des traumatismes a été effectivement, comme pour les adultes, euh, mis, en, mis en évidence. Mais un petit peu, comment tout ça, euh, ça s'est passé et quels aménagements il a fallu faire Parce que le modèle était construit pour des adultes et, comme euh, vient de le dire euh, Cyril, effectivement, euh, il y a quelque chose de plus complexe dans la prise en charge des, des enfants, des adolescents, des familles. Euh, premièrement, les plusieurs dimensions. La première dimension, c'est le niveau de développement. Bien entendu, ce niveau de développement, euh, il est euh, 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 et, et dépendant de l'âge des enfants. Et effectivement, recevoir un enfant en consultation qui a quelques mois, recevoir un adolescent qui a 15 ans, les choses ne vont pas forcément se passer de la même façon. Euh, pourquoi Parce que euh, l'impact d'un événement potentiellement tra traumatique euh, s'exprime de façon différente selon l'âge. Et, euh, et cette expression euh, euh, est, est dépendante donc de, du niveau de développement cérébral et des capacités cognitives de l'enfant. d'accord. donc sa capacité à accueillir l'événement, à le comprendre, à exprimer aussi les choses. la dimension émotionnelle aussi est très importante et là encore, au cours du développement, ces capacités, les capacités à gérer les émotions, à les réguler, euh, euh, ne sont pas les mêmes selon que l'on est un tout petit bébé ou selon qu'on est un enfant de 5 ans ou selon qu'on est un adolescent. Et euh, ces capacités-là émotionnelles qui sont en évolution, elles sont en évolution et en construction avec Quelque chose qui, qui est essentiel, qui est l'interaction avec le contexte et plus particulièrement avec les figures parentales. Et ces parents, euh, les parents vont processer aussi dans ce développement-là en étant d'une certaine façon, pour reprendre une expression euh, de Michel Silva, justement, une véritable prothèse corticale dont, il va falloir, euh, dont on va avoir besoin pour travailler en EMDR. Et puis, bien sûr, le développement sensoriel qui aussi euh, est une considération importante. Face à un événement, enfin chez les enfants, donc il y a cette dimension du, développe, du développement. Mais il y a aussi quelque chose qui va venir complexifier la chose. Ce sont aussi les caractéristiques de l'événement qui vont avoir un impact chez les enfants, euh, avec notamment cette question de la perception de la sévérité de l'événement. Et cette perception est différente selon, selon à nouveau l'âge des enfants, puisque un tout petit n'a pas forcément conscience de la dangerosité d'un événement ou de, euh, de, de, la, de la gravité d'un événement. Euh, et, euh, alors que les plus grands sont à même d'anticiper et d'envisager le danger, de comprendre que ce qui leur arrive est anormal, pas les plus petits. Euh, le, le fait qu'un événement se répète, se chronicise, voilà encore quelque chose qui est à, à prendre en considération dans l'impact d'un événement chez un enfant. Et euh, le support familial, le support social dans lequel il se trouve, va être un élément fondamental dans le fait que cet événement va être, peut être difficile et peut devenir éventuellement traumatique. Parce qu'à quelque part, il aura manqué il aura manqué l'entourage le, 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 euh, dans un, un, entourage, un entourage suffisamment sécurisé, accompagnant, contenant pour traverser cet événement. le contexte aussi, et voilà encore une autre dimension qu'il faut prendre en considération, les ressources que peut avoir l'enfant et là encore, selon son âge, selon le contexte dans, dans lequel il vit, il peut être plus ou moins riche de ressources pour faire face à un événement. Peut-être aussi quelque chose d'essentiel à entendre, c'est la question de la sécurité. Et euh, euh, un enfant, avant tout, euh, euh, doit être en sécurité. Et cette sécurité, elle entre aussi dans, la, dans les considérations de prise en charge de l'EMDR. Et enfin, bien entendu, euh, une autre dimension qui intervient dans, euh, dans l'impact d'un événement sur un enfant, c'est la qualité d'attachement. Autrement dit. Pour adapter cette approche, cette EMDR adulte à l'univers des enfants, il a été nécessaire de prendre en compte tous ces éléments et ces, ces prises en considération sont arrivées à l'élaboration d'un protocole développemental, c'est-à-dire qui va effectivement coller à cette évolution de l'enfant au cours de son développement. Et euh, c'est euh, également. Euh, euh, comment dire une approche qui est extrêmement intégrative puisque euh, elle s'appuie sur, euh, sur les questions euh, sur les questions la question de l'attachement elle est une ouverture systémique parce que comprendre le traumatisme d'un enfant aider un enfant dans le trauma prendre retraiter des événements traumatiques en, en EMDR nécessite de comprendre dans quel système il se trouve et comment ça fonctionne quelle est la dynamique de ce système familial est-ce que le système familial est en mesure d'accompagner ces enfants. Et bien entendu, il faut avoir aussi euh, une connaissance de la psychopathologie parce que euh, euh, l'expression, l'expression symptomatologique du trauma chez l'enfant varie en fonction de l'âge. Et certains symptômes qui pourraient apparaître euh, peut-être comme attendus à certains, à certains moments du développement peuvent devenir de vrais signaux d'alerte de quelque chose qui va mal. Et plus on est petit, plus ces signaux sont importants d'être repérés. Peut-être la diapositive, si tu veux bien. OK. Donc, on aura, vous l'aurez entendu, effectivement, la prise en charge EMDR qui a élaboré ce protocole développemental euh, s'inscrit dans une démarche d'une... Qui, qui on pourrait dire complexe. Pourquoi Parce que, eh bien, euh, euh, elle nécessite une réelle prise en considération de l'alliance thérapeutique. Il faut bien entendu au thérapeute EMDR enfants euh, euh, comment dire de, euh, de de mettre un accent très très important sur L'alliance, bien sûr, avec l'enfant, mais aussi l'alliance avec les parents et donc l'alliance avec tout un système, parce que c'est tout un système qui va être regardé au travers de la loupe de l'EMDR. La priorité va être de s'assurer de la sécurité de cet enfant. Pour pouvoir travailler, retraiter un trauma d'un enfant, il faut être sûr que cet enfant n'est pas dans une situation de retraumatisation possible. Il en va de même pour la dimension familiale et environnementale. Et la thérapie EMDR euh, donne une place très importante aux parents. Le rôle des parents est très important. Et plus l'enfant est petit, plus les parents vont être intégrés dans le processus thérapeutique. Euh, L'adaptation euh, euh, à euh, l'âge des enfants, eh bien, il est découpé un petit peu comme je l'ai indiqué ici, avec euh, cette idée qu'à partir de 9-12 ans et plus, globalement, les, le, le, le travail est similaire, l'application de protocoles, ce fameux protocole standard, est similaire avec ces enfants-là parce qu'ils sont en capacité, effectivement, de, de répondre à ce qui est attendu euh, au cours du processus de retraitement. Plus on descend dans l'âge, plus il y a des aménagements qui vont être proposés. Donc, peut-être qu'effectivement, il va y avoir des adaptations, des stimulations bilatérales. On évoquait tout à l'heure cette idée que peut-être on priorise les mouvements oculaires, mais plus l'enfant est petit, moins ceci est possible. Et on va plutôt être vers des modalités alternatives que vont être les, éventuellement les tapotements, les, les vibrations ou euh, peut-être des sons. Euh, plus aussi, on va devoir adapter la modalité de retour de la formation. Euh, plus les en, entre 6 8 ans encore vers 4 5 ans parfois on va plutôt aller vers la modalité du dessin plutôt que l'enfant dise et parce qu'il n'a peut-être pas l'ensemble des mots possibles pour exprimer, alors il va peut-être être plus amené à dessiner ou à montrer au thérapeute. Et euh, 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 on va aussi aménager dans le protocole euh, les, les diverses évaluations qu'on fait, qu fait avec les adultes sur des modalités plus, euh, euh, plus représentatives, plus d'échelle que l'on va dessiner et sur lesquelles l'enfant va positionner ses évaluations. Ce qui est intéressant et ce sur lequel je vais prendre un peu plus de temps, c'est ce qui se passe en dessous de trois ans. Parce que oui, on peut faire de l'EMDR avec un, tout un petit bébé. Mais il est bien évident que, euh, et je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, que du coup les parents sont essentiels. La présence est essentielle. La présence est essentielle parce que ce sont les parents qui ont connaissance de l'histoire. Ce sont les parents qui peuvent mettre en mots. Et c'est donc avec les parents que l'on va travailler pour élaborer. Euh, avec une histoire, ce qu'on appelle une histoire narrative, qui va pouvoir être racontée alternativement quand il y a les deux parents, une fois l'un, une fois l'autre et qui va être accompagnée par le thérapeute de stimulation bilatérale sur l'enfant. Et cette histoire va être racontée autant de fois que nécessaire pour que effectivement l'enfant puisse avoir euh, peut-être intégré l'histoire de son trauma. C'est tout un travail du coup d'élaboration euh, qui se fait en amont de l'enfant avec les parents pour s'assurer que les parents sont en mesure de raconter. J'évoquerai, je mettrai un petit peu en illustration ça après, mais il faut que les parents puissent être eux-mêmes, être eux-mêmes en, 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 en paix, serein par rapport à l'histoire qu'ils vont raconter et pas activés eux-mêmes par éventuellement le trauma. Euh, donc, on va adapter les stimulations et on va également adapter la durée des séances avec les enfants. Les enfants ne sont pas, les séances du MDR avec les enfants sont très courtes. Peut-être parce que, aussi, au fond, leur possibilité d'association et sont, les, les, les canaux d'association, euh, ben, peut-être sont plus courts euh, et, euh, et leur niveau de concentration et de disponibilité également est plus, est, est, est plus court. Donc, plus concrètement encore par rapport à la place et le rôle des enfants et des rôles des parents et euh, cette, cette complexité que l'on a à prendre en considération le retraitement en EMDR la spécificité du trauma si on regarde les enfants c'est que euh, un traumatisme on peut considérer que c'est une blessure du lien et si euh, ce lien peut être blessé lors d'un événement traumatique qui peut être unique ou qui peut être répété. Un enfant qui est hospitalisé, un, euh, un euh, euh, ou qui a plusieurs hospitalisations, avoir eu un accident de voiture, d'accord. Et si cet enfant, il vit cet événement-là dans une dans un contexte familial où les parents sont suffisamment sécurs, où ils ont eux-mêmes ils peuvent eux-mêmes mobiliser leur capacité de régulation de cet événement. Globalement, ce sont ces enfants-là. Peut-être s'ils viennent jusqu'à nos cabinets, quelques séances suffisent pour que, effectivement, ça puisse, cet événement puisse être intégré. En revanche, ce qui va complexifier la chose, c'est que parfois les parents eux-mêmes sont activés par la situation traumatique. Ils vont être peut-être eux-mêmes déclenchés par des traumas personnels du passé que peut-être jusque-là n'était pas résolu, peut-être jusque-là était euh, peut-être mis de côté, mais qui resurgissent à l'occasion de ce trauma. Dans ces situations-là, l'intervention EMDR avec les enfants, va nécessiter un travail préalable avec les parents. Parce que ça, pose, ça se positionne sur l'idée que si les parents sont en mesure de pouvoir assurer leur, leur fonction de, corte, de, de prothèse corticale, alors d'une certaine façon, ils vont pouvoir effectivement donner et accompagner, contenir l'enfant dans le travail lui-même, qui va faire lui-même de retraitement du trauma. Et donc, on est donc dans ce cas-là dans un lien blessé. Et, euh, et, ce, et ces liens blessés se voient au travers, en général, d'une dysrégulation émotionnelle de l'enfant, dans un fonctionnement d'une dynamique familiale qui n'est plus adaptée. Mais les traumas peuvent, être, peuvent venir aussi impacter les liens dans le fait que cette fois, c'est le lien qui est blessant. Et le lien qui est blessant, c'est... Ça ouvre le champ de ce qui peut être plus la problématique, les traumas complexes. C'est quoi C'est une figure parentale qui, cette fois, euh, euh, n est, n est, n est, est à quelque part l'auteur de l'agression et la cause du trauma. On se trouve dans une confusion chez l'enfant, une désorganisation. C'est à la fois euh, cette personne qui est qui a une position parentale de régulation émotionnelle qui est censée assurer la, la, la sécurité, qui se trouve dans une position d'agresseur. Euh, et que cet événement soit unique, que ça n'arrive qu'une fois ou plusieurs fois, ça impacte l'enfant de façon majeure et c'est souvent ce qui va caractériser les, les, les attachements désorganisés. Dans ce cas... La, 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 la prise en charge EMDR euh, va être possible, mais à condition d'assurer en amont la sécurité de l'enfant. Peut-être la diapositive. Ça me conduit à, 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 à poser cette question euh, ben, est-ce qu'il y a des limites à faire de l'EMDR avec les enfants Eh bien, j'ai mis un point d'interrogation volontairement avec cette idée que. Euh, ben, Peut -être peut-être que euh, il n'a peut-être pas forcément non. Euh, il est certain que une, si on peut considérer une limite c'est ce serait l'idée que avant d'entamer un retraitement MDR avec les enfants il est essentiel de s'assurer donc comme je l'ai dit de sa sécurité et de voir si effectivement euh, cet enfant n'est pas en danger pour lui-même ou un danger pour les autres je pense à aux adolescents qui peuvent être dans des conduites à risque, dans des conduites addictives, où ou, ou il peut y avoir des, des conduites suicidaires. Il est indéniable qu'avant d'envisager un retraitement d'un éventuel trauma qui pourrait être sous-jacent à ces problèmes-là, il va être nécessaire de, euh, dans, en premier lieu d'assurer sa sécurité et sa stabilité. Donc il va y avoir un travail de stabilisation. Là où il y a une, une limite, ce pourrait être dans le cas des violences domestiques. Si, un, si, si je crois que les thérapeutes doivent vraiment euh, euh, être, mais je ne parle pas que des thérapeutes MDR, hein, plus là et largement, doivent être vraiment attentifs à, ce, à, ce, à, ce, à ce, cette particularité-là, avec cette idée que, euh, euh, bien sûr, il y a les violences dont on entend parler, euh, les, qui, 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 qui occupent les médias, mais il y a toutes les violences euh, intrafamiliales qui sont là et qui peuvent, paraître, peuvent passer inaperçues. Et euh, si on veut aider un enfant, euh, euh, il est important de repérer, de repérer ces éléments-là et euh, effectivement euh, euh, de euh, comment dire, de ne pas, euh, on ne va pas pouvoir à ce moment-là retraiter quelque chose de l'enfant puisqu'il faut d'abord le mettre en sécurité. Si, euh, si l'enfant manifeste euh, des difficultés d'affirmation, s'il si a des troubles du comportement et, et, et que c'est signalé au niveau de l'école, ben, peut-être il faut regarder ce qui se passe aussi à la maison. Et que euh, peut-être, si effectivement euh, il y a des éléments qui tangibles qui viendraient. Euh, interroger, il est essentiel en premier lieu d'aller de, 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 vers cette piste-là pour ensuite, une fois l'enfant en sécurité, pouvoir travailler sur ce qu'il a effectivement, euh, euh, lui, vécu et l'impact traumatique de ces événements. Euh, J'ai mis le contexte sociétal parce que quand même, il s'est passé des choses ces dernières années qui sont assez inédites et qui ont mis un peu en difficulté peut-être tous les thérapeutes et en particulier les thérapeutes de MDR. Euh, C'est particulièrement le COVID. La situation COVID, ben, si vous vous rappelez, a, a interrompu à un moment donné euh, les consultations. Et, euh, et effectivement, euh, ben, euh, voilà. comment, comment, comment répondre, comment, comment se réajuster par rapport à ça. Et peut-être on aurait pu penser que l'EMDR ne pouvait pas se relever d'une certaine façon de ça. Et finalement, eh bien, euh, euh, ça a été possible. Ça a été possible grâce aux consultations à distance, grâce à, euh, à ces interventions qui pouvaient être faites. Et eh l'EMDR, ça marche aussi à distance. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est rendu compte que l'on peut faire, on peut traiter, on peut retraiter des traumas chez des enfants, des adolescents à distance. Et ça ouvre un champ important aujourd'hui de, 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 de la prise en charge et dépasse des limites qu'on pouvait rencontrer, notamment avec des adolescents qui sont éventuellement, euh, 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 qui font leurs études un peu ailleurs ou qui sont, parce que c'est les, les gardes alternés, pas en disponibilité de venir au cabinet, on peut aller les retrouver, on peut aller vers eux et continuer le travail thérapeutique. Et j'ai mis également euh, le, le, le contexte qui est aussi celui que l'on a aujourd'hui, qui est celui de la, de, 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 de la guerre et, et, et des... Et des enfants qui, qui arrivent sur, sur, sur notre territoire et qu'on accueille, euh, là encore, on pourrait penser que peut-être, est-ce euh, que le MDR, ça pourrait être possible ou pas Oui, c'est possible. Il n'y a pas de limite à ça. Peut-être simplement, il y a euh, des aménagements. Et des aménagements qui vont être. D'une part, peut-être de dépasser la barrière de la langue, peut-être en, en, en associant dans le travail des interprètes que l'on peut sensibiliser au travail avec les enfants et avec le MDR. Et euh, deuxièmement, peut-être en faisant l'effort, nos thérapeutes aussi, d'entrer dans la dimension culturelle c'est comment comment ces populations qui nous arrivent comment elles elles appréhendent elles appréhendent la question du trauma et quelles sont euh, les, les les éventuelles croyances qui peuvent être là et qui peuvent nous aider à comprendre et à aider au plus près les enfants à traverser et peut-être aussi euh, euh, ce qui est euh, ce qui est très intéressant c'est que le MDR c'est plus que seulement une approche individuelle euh, le MDR c'est la possibilité aussi de travailler avec des groupes et on peut euh, travailler euh, en EMDR, on peut prendre en charge des groupes d'enfants, on peut prendre en charge des fratries. Il existe des protocoles qui s'adaptent très très bien à ça et qui permettent peut-être de, de travailler avec un, avec le plus grand nombre. Pour exemple, quand euh, il y a eu euh, il y a eu il y a quelques années de ça. Euh, le, euh, des attentats, les attentats sur Paris, justement euh, dans l'équipe du CPJ de l'université de Lorraine, eh bien, euh, ont été accueillis dans les 48 heures. 90 enfants qui étaient, euh, dans, euh, dans, euh, qui étaient dans le stade et, euh, et qui ont été pris en charge sur une après-midi. Donc, les 90 enfants sur des, des, des mises en place de groupes euh, ont pu être euh, accueillis et ont pu bénéficier de la thérapie EMDR. Donc, peut-être j'ai mis point d'interrogation parce que peut-être il n'en a pas vraiment des limites et que euh, euh, simplement euh, euh, la thérapie EMDR avec les enfants nécessite peut-être euh, d'entrer dans une dimension plus complexe que le seul enfant tout seul, de l'envisager dans un système et de prendre en considération les différents besoins à l'intérieur de ce système. Euh, voilà. Merci. Donc, euh... Après vous avoir présenté à la fois la thérapie EMDR et la spécificité chez les enfants, je crois que le constat, c'est que la thérapie EMDR, depuis sa création, est une thérapie en mouvement. Et, et euh, Pascal évoquait les protocoles de groupe, et voilà des innovations. Euh, c'est une thérapie en mouvement à la fois dans sa conceptualisation, dans la formation même initiale qui la, qui la caractérise. Et c'est un objet magnifique pour les cliniciens, nous sommes des cliniciens, mais aussi pour les chercheurs. Donc c'est une perspective d'ouverture qui vient euh, au fond renforcer l'arsenal d'un beau métier qui est le nôtre, celui de psychothérapeute. Voilà, merci. Merci. Écoutez, merci. Merci à tous deux. C'était un remarquable exposé avec l'introduction des modèles, des concepts, de l'historique par vous, Cyril, et puis toute la dimension clinique avec les enfants, avec, avec Pascal. Merci infiniment. C'était passionnant. Le temps passe très vite et j'ai vu qu'il y avait énormément de questions, donc je ne sais pas du tout comment nos collègues Théo… Et Katia, vous pouvez s'en sortir pour vous faire remonter euh, les, les, la synthèse, mais en tout cas, on va commencer tout de suite. Voilà. Oui. Qui prend la parole Je vais bien la prendre. Ça va être un peu dense, effectivement. Alors, beaucoup de questions autour des, des indications de, de l'EMDR, euh, de manière un peu globale. Beaucoup de questions sur savoir si ça, ça fonctionne. Bah, vous vous l'avez déjà un peu partiellement répondu, mais euh, il y avait des questions sur, sur, sur en cas de TOC résistant, est-ce qu'on peut appliquer de, 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 des, des protocoles EMDR comment on les adopte, et puis s'il y a une efficacité pour les traumas avec des blackouts, que ce soit à cause de drogue ou d'amnésie traumatique, comment on travaille avec le MDR dans ces cas-là Tout Pascal. <laughs> okay. euh, oui, vous évoquez des, 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 effectivement des, des problématiques qui, qui, sont, qui, qui, qui relèvent de, de, de complexité et qui vont nécessiter effectivement euh, d'aménager euh, les choses, déjà de comprendre où se situe le problème pour pouvoir éventuellement aller euh, retraiter les racines de ces problèmes donc oui il y a des choses qui vont fonctionner peut-être avec, euh, euh, avec nécessité d'un certain temps d'un euh, certain temps de retraitement et peut-être avec la convocation comme on l'évoquait tout à l'heure avec euh, différents éléments euh, d'autres approches qui vont pouvoir peut-être euh, pallier à la, à, la stabilisation, à la stabilisation mais il y a des travaux plutôt intéressants sur, sur ce genre de prise en charge maintenant quand il y a un blackout ou une amnésie, la thérapie MDR n'est pas une thérapie boule de cristal qui va permettre de deviner ce qui se passe dedans. Bien sûr, il peut y avoir des levées d'amnésie comme ça peut être le cas dans d'autres approches, mais c'est n'est pas la fonction. Donc, en revanche, ce que l'on va travailler, c'est l'impact de ça. C'est l'impact que cela peut provoquer d'avoir vécu un moment dont on n'a plus dont on ne se souvient plus et peut-être à quelque part de travailler sur l'impact traumatisant de la perte de contrôle du sentiment d'impuissance voilà peut-être des pistes de, de qui vont orienter le travail au MDR moi, je compléterais, si tu veux bien, en disant que voilà, on pourrait poser myriade de questions sur est-ce que le MDR peut traiter le, le, le tel symptôme phobique, le toc, euh, euh, le, 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 les troubles addictifs. Voilà. Alors, je, je pense que c'est très important de, de je crois, de, 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 de signifier, je crois, la, la posture euh, de cette approche. Ce n'est pas une approche euh, néo c'est-à-dire qu'on ne traite pas le symptôme. Je veux dire, le symptôme, et, et ça, je crois que, euh, et même si je me mets à dos, euh, bon nombre de nos auditeurs, je ne l'espère pas, mais, mais, mais je crois que ces conceptions-là sont, sont dépassées. On ne peut pas faire l'économie de l'histoire du sujet. Les symptômes qui émergent, mais sont des réponses adaptatives. Oui, des réponses adaptatives, y compris des manifestations psychopathologiques. C'est-à-dire au fond, le cerveau, le psychiste n'a pas trouvé mieux que d'exprimer un trouble anxieux, que de manifester un TSPT, que de manifester un syndrome dépressif. C'est la réponse la moins mauvaise, mais une réponse quand même face à une confrontation qui est un événement traumatique, mais aussi en réponse à une histoire qui a impacté le sujet. Et de ce point de vue, faire l'économie du sujet, quelle que soit la méthode. Les méthodes sont des, c'est de la technique. Je veux dire, mais ça ne doit pas nous empêcher de mettre de l'intelligence dans notre manière d'exercer la thérapie et ne pas tenir compte de l'histoire du sujet, comment tout ça s'est organisé avec le temps et, et, et comment on, on, on peut faire des liens pour justifier et expliquer l'émergence de certains symptômes. Mais c'est Partir d'un principe qu'on peut découper le sujet en tranches. Et ça, ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens ni théorique ni clinique. Et ça inscrit une conception du sujet qui ne correspond pas à ce que nous sommes. Et de ce point de vue, TCC, EMDR, hypnose, peu importe, je veux dire, c'est de la technique. Mais cette technique ne doit pas nous empêcher de mettre de l'intelligence dans la manière nous, dont nous exerçons notre métier. <coughs> Merci pour ces précisions tout à fait intéressantes. D'ailleurs, vous êtes remercié dans le chat. Alors, il y avait d'autres questions autour d'éventuelles contre-indications et s'il y avait des moments plus propices auxquels proposer le MDR. On a Pascal encore. <laughs> Il n'y okay. ouais, a pas vraiment de contre-indication à, à, à pratiquer le MDR. En revanche, euh, 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 on, ne, euh, on ne peut, et ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, euh, on ne peut euh, envisager de faire de l'MDR, sauf dans les cas d'urgence où euh, effectivement on a une intervention d'urgence, se dire on arrive en consultation et on fait de l'MDR tout de suite. Comme on l'évoquait, il faut d'abord comprendre ce qui, ce qui se dit, comprendre la problématique, l'inscrire dans une histoire pour ensuite pouvoir commencer. Et dans ce, dans ce temps-là, il est important de voir si le patient est suffisamment en stabilité pour pouvoir accueillir ce retraitement-là. Donc, effectivement, on ira explorer éventuellement son état de santé, peut-être on ira euh, 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 explorer son état. Si Coupato, pour voir si effectivement euh, c'est possible tout de suite là maintenant. Mais... Est-ce que cette exploration, euh, Pascal, c'est un temps d'évaluation indispensable avant de pouvoir, euh, je dirais, commencer euh, une activité euh, à objectif thérapeutique Est-ce que c'est ce temps d'évaluation et, et vous l'estimez à combien et comment C'est-à-dire, est-ce que c'est une convergence de, de regards, de contributions euh, des uns et des autres ou est-ce que c'est organisé par celui qui va, par exemple, euh, euh, engager euh, l'approche la, MDR euh, je, je peux répondre. Okay. Je, Pascal, je vois que Pascal est en difficulté. <rire> <rire> euh, en fait, re, re, reprenons ce que disait Jeannet. Avant toute psychothérapie, stabiliser, stabiliser, stabiliser. Je veux dire, c'est qu'on doit se donner le, les moyens de stabiliser les patients, de les, pour les mettre en sécurité. Et parfois, si on prend le cas de la prise en charge de, de traumas complexes, euh, les, les phases de stabilisation peuvent durer plusieurs mois. C'est-à-dire que durant lequel on travaille sur le lien, on recrée du lien, justement, Pascal évoquait la question d'altération du lien. Il faut retraiter le lien, je veux dire, le, le, remettre les gens en sécurité. Et on voit bien d'ailleurs que quand on fait l'économie de ça et qu'on met les patients dans des situations qui act les activent, mais. Je veux dire, ils, ils, ils nous font plus confiance, c'est-à-dire qu'on les a mis en danger. Donc, cette question de la préparation, de la stabilisation, est un élément central. Et là encore, on va dépendre de la connaissance que nous avons des patients, des, des, des symptômes, des pathologies. Et avant de commencer à faire le guignol avec nos doigts. Je veux, dire, je, vous, je, je veux simplement vous rappeler une chose, vous voyez, on fait ça, vous savez qu'on se rapproche du Vatican puisqu'on est à deux doigts de faire ça. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très voilà, religieux dans notre exercice de la psychothérapie. Mais néanmoins, je veux dire, on se doit véritablement de, de sécuriser le patient, de le stabiliser. Et ça, c'est un élément central dans toute prise en charge et en particulier dans la prise en charge EMDR. Et peut-être je rajouterai un point. Bien sûr, il y a cet élément de stabilisation, mais je crois qu'il est très important de prendre le temps de comprendre quel est le problème du patient. Parce que les patients viennent avec des symptômes. Or, les symptômes, ce n'est pas le problème, c'est juste la partie visible qui les amène à venir jusqu'à nous. Et il se doit, on se doit de comprendre qu'est-ce qui a fait émerger ce symptôme, pourquoi c'est là, quelle est sa fonction, bien entendu. Et, euh, et, 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 et ce serait risqué que de penser qu'il faut tout de suite aller vers cet élément-là et aller retraiter quelque chose qui est de l'ordre du symptôme. Parce que c'est une élaboration qui s'est construite, qui a amené le patient à développer ça. Donc, il faut aller chercher, prendre le temps de comprendre quel est le problème du patient. D'autant que les enfants ou les adolescents ne viennent pas vers nous, on les accompagne, on les dirige. Et plus encore, effectivement, si je resitue maintenant dans le contexte des enfants, les enfants, ils font encore, il y a encore une complexité c'est que les enfants, ils viennent quand éventuellement ils en ont envie et qu'ils sont pas forcément forcés, donc il faut avoir cette adhésion-là, mais ils viennent et il y a le regard des parents, mais il y a aussi, et toi, l'enfant, toi, toi Qu'est-ce que je peux faire pour toi Eh bien, vous voyez, je fais un écart. Des fois, l'écart, il est comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Ils ne viennent pas forcément pour les mêmes choses. Et du coup, c'est effectivement là à nouveau de s'adapter à cette complexité-là pour comprendre qu est qu est, quelle est l'intervention qu'on doit faire. D'accord Et que euh, peut-être, ce n'est pas le symptôme qu'il faut que j'écoute si j'ai l'enfant, mais peut-être qu'est-ce que dit ce symptôme au travers de sa position au sein de la famille. Qu'est-ce qu'il me dit cet enfant-là Voilà. Très bien. Théodore oui, justement, on, il y a une question sur, pour, pour la, la pratique avec les enfants. Comme tout événement qui, a, qui est traumatogène ne fait pas forcément un psychotraumatisme chez la personne, comment on prend en charge l'enfant sans induire Du coup, comment on n'est pas tout de suite à, à suractiver quelque chose alors qu'il qui ne va pas forcément générer un psychotrauma Alors J'essaie je, 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 de comprendre. C'est-à-dire que si, 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 si les parents viennent avec, euh, avec un enfant. Ou un événement traumatogène euh, divers ou variés, enfin, je ne sais pas, une agression sur l'enfant qui a été identifiée, mais qui est très récente, par exemple. Oui, oui. Euh, alors, quand on est, il y a effectivement des prises en charge euh, qui peuvent se faire sur des événements récents. Et, sur, euh, et effectivement, quand on est dans des prises en charge sur des événements récents, il y a des protocoles hein, qui existent, euh, euh, et chez les enfants, euh, les enfants, bien entendu. Mais à ce moment-là, ce qu'il est important, c'est de faire en sorte que la charge de la perturbation diminue. D'accord C'est ça surtout. Donc, comment elle peut diminuer Elle peut diminuer, bien sûr, par rapport à l'enfant, mais surtout dans l'interaction. L'interaction de la dynamique familiale. Si on apaise tout le monde, alors ça va mieux. Euh, si euh, on vient juste d'avoir un accident de voiture ou on vient d'être cambriolé à la maison, si euh, papa, maman sont tranquilles et qu'ils disent, on voit qu'ils sont tranquilles vraiment, et ben on est plus tranquille quand on est enfant. Donc le, le travail va effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, il peut pas se faire que sur l'enfant. Il, il va se faire au regard de ce qui se joue dans une dynamique interactionnelle. Encore deux questions et puis on en a deux oui. qu'on avait préparées ensemble. Hein. Euh, oui, euh, mais parce qu'il y a déjà des personnes qui s'en vont euh, comme il est 19h euh, une. Peut-être qu'on peut arriver sur la question de la formation puisque c'est revenu aussi dans, dans les okay, questionnements. Voilà. Hein, mmh. euh, comment se former à l'EMDR ou se former ou diriger aussi. Alors il y a eu une réponse hein, dans le chat, mais vers qui on peut diriger s'il y a des, des annuaires. Euh, voilà. Alors pour, pour, les je, pour les formations, je vais donner quelques éléments et puis Pascal pourra préciser. Alors, il y a plusieurs organismes de formation en France, on a cette chance-là. Euh, il y a l'Institut français de MDR à, à Paris, il y a un institut qui est à Toulouse également, il y a un institut à Nantes, et puis euh, l'Université de Lorraine, euh, et euh, nous sommes deux universités en Europe à avoir une formation académique autour de la, de la thérapie EMDR. Avec un DU post-master euh, qui a beaucoup de succès, euh, qui est dense. On, on a, on a des, des, des éléments de formation complémentaires sur le plan de la psychopathie et, et sur le plan de, de, la, de la prise en charge de MDR. Et nous sommes les seuls en Europe, en revanche, cette fois, à avoir un autre DU sur la prise en charge des enfants. Mais pour faire les enfants, il faut avoir fait les adultes. Et Pascal peut peut-être donner les, quelques éléments de contenu euh, et peut-être répondre sur à qui adresser les, les patients. OK. Euh, donc, euh, là, effectivement, si on souhaite euh, faire, devenir thérapeute MDR enfant, il faut avoir fait la formation et être accrédité de la formation générique adulte. Donc, ça veut dire que la formation générique adulte, c'est deux niveaux, un niveau 1, un, un niveau 2, euh, 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 et euh, avec des heures de supervision. Il y a 10 heures de supervision au niveau 1, 10 heures de supervision au niveau 2. Et la formation enfant, c'est deux niveaux également, un niveau 1 et un niveau 2 dans lequel il y a également deux fois dix heures de supervision. Mais on peut, quand on est, effectivement, on travaille beaucoup avec les enfants, on peut faire ces formations de façon, euh, de façon euh, alternée, en commençant par un niveau 1 adulte qui donne les bases, parce qu'il faut maîtriser le protocole, euh, le protocole adulte, qui donne les bases pour pouvoir commencer la formation MDR enfant, niveau 1, et, etc. Et on termine comme ça. Euh, pour euh, référer des patients, il y a un annuaire. Et de, de, de tous les praticiens accrédités Europe auxquels on peut accéder via l'association EMDR France. Donc, sur cette association, il y a un annuaire et on peut voilà, trouver, repérer les praticiens accrédités adultes ou accrédités enfants qui sont dans, le, dans, dans la région ou le département dans lequel on se trouve. On ajoutera une DIA pour le PDF mis en ligne demain, une DIA avec ses références, si vous le voulez bien tous les deux. On prendra un petit peu de temps et comme ça, les, les, les références seront disponibles tout de suite. Un petit mot, Cyril Tarquignot, pour la fin, à propos de l'originalité du centre Pierre-Janet. Parce que je pense qu'il est tout à fait unique en France. On a suivi son développement il y a quelques années. Donc, euh, il faut que vous nous le présentiez parce que je pense que ça intéresse vraiment tout le monde. Ben, le Centre Pierre-Janet, euh, c'est un centre de formation à la psychothérapie et d'exercice de la psychothérapie. Euh, nous sommes la seule université en France euh, à accueillir des patients, des vrais patients, avec des vrais psychologues. Euh, nous avons à peu près 300 mmh. consultations par, par mois. Euh, donc un, un secteur clinique qui fait de la prise en charge, qui, qui met en, en œuvre les évolutions de la recherche dans le champ de la, de la, de la psychothérapie. Euh, c'est un centre de formation également, nous avons des 15 DU qui va de la sexologie en passant par la psychologie positive, le psychotrauma et la thérapie EMDR et l'hypnose, par exemple. Et puis c'est un pôle recherche qui appuie le laboratoire pour développer de, l'évaluation des nouvelles formes de... De, 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 de psychothérapie. Nous développons, nous développons actuellement les environnements virtuels dans le champ de la psychothérapie. Donc, c'est une structure inédite avec une interface entre la société et l'université. Et je suis fier d'une réalisation c'est la consultation suspendue, euh, car euh, payer 60 ou 70 euros la consultation, tout le monde ne peut pas le faire. Euh, et donc, euh, nous avons inventé la consultation suspendue. Nous sommes allés voir des mécènes en leur disant, voilà, achetez de la consultation, euh, nous la mettrons en suspens et nous la distribuerons gratuitement à ceux qui n'ont pas les moyens. Et par exemple, en Moselle, aucun malade du cancer ne paye euh, sa psychothérapie dans le cadre du centre Pierre-Géné et du réseau départemental. Euh, la Ligue nous donne 50 000 euros de, de bons de consultation chaque année qui sont distribués aux malades et tous les malades peuvent accéder à des soins de haut niveau. Gratuitement et c'est ça aussi le Centre Pierre Janet, c'est à la fois de l'excellence puisque nous allons devenir INSERM dans les années prochaines euh, le, grâce au laboratoire APMA qui s'appellera INSPIRE et c'est également euh, quelque chose à côté des citoyens et au fond c'était ça ma vision du métier, de ma vision de la psychologie et de, de ce que doit être une université aujourd'hui. Écoutez merci pour cette présentation. C'est toujours frustrant bien entendu de se quitter une heure pour présenter. Euh et de façon aussi brillante et passionnante, euh, une approche euh, notamment thérapeutique, la question des enfants, beaucoup de, de questions qui restent en suspens. On est euh, infiniment euh, heureux de ce cadeau que vous nous avez fait juste avant Noël. On est amené à se quitter. Sachez tous qui êtes encore là, vous êtes 400, euh, euh, à savoir que nous sommes aussi frustrés, mais que voilà, ce format, on y tient parce que c'est un format c'est un format facile qui ouvre des portes mais qui ne nous fait pas la visite de tout l'établissement c'est aussi son intérêt voilà donc on va se quitter de façon un peu frustrée merci infiniment à nos deux conférenciers merci katia merci théo merci vincent on se donne rendez-vous dans quelques semaines on ne sait pas encore quand on prépare le, le, le programme de 2023 et puis d'ici là, même s'il y a un petit peu d'avance, on a encore beaucoup de travail tous. Voilà. Euh, bah écoutez, on se dit bonne fête et puis à bientôt. Merci, au revoir. Merci, fête. au revoir. Merci fête. beaucoup. Au revoir. au revoir. Au revoir. Bonne fête à tous. Voilà, Pascal, c'était passionnant, merci. Euh, et euh, Cyril, hein, c'était, euh, voilà, on, on aurait bien passé. Euh,